Mes dernières vidéos ont été consacrées à Wanari, car j'ai eu l'opportunité de me rendre en Guyane et donc dans cette commune en particulier. J'ai fait quelques images, quelques vidéos pour raconter et montrer le village, les difficultés que rencontrent les habitants et l'enclavement de cette commune. Mais le centre et le cœur de mes reportages, c'est le sport, les sports, tous les sports. Dès qu'il s'agit de se mouvoir, de se bouger, de contenir les formes et de maintenir la forme, je suis prêt, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je retourne sur le cyclocross de Brionne à la fin du mois. Donc je repars en reportage pour vous montrer tout ce qui se passe. Donc un cyclocross qui réunit toutes les catégories, des plus petits jusqu'au niveau national. Si j'ai l'opportunité de raconter vos belles histoires dans tous les domaines de la vie, parce que chaque personne a une belle histoire à raconter. Donc si j'ai l'opportunité dans quel que soit le domaine, je le ferai avec plaisir aussi. Donc, le mois prochain, j'ai un rendez-vous avec un directeur sportif. Il a quitté sa région, il a pris l'avion. Et pour guider les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs dans son équipe de niveau national, de division nationale en cyclisme. Puis ça sera l'année prochaine, le prochain rendez-vous déjà connu pour le cyclisme sur les routes de l'Oise. Une belle course avec un beau niveau, une organisation quasi professionnelle avec des motards, avec des motards de la gendarmerie, avec une organisation tip top. Donc j'ai eu l'occasion de le faire avant la Covid, je retourne l'année prochaine. Si vous voulez des images vidéo principalement pour un reportage sur votre compétition cycliste, n'hésitez pas, contactez-moi. Donc partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, faire connaître pour son organisation. Donc n'hésitez pas, partagez cette vidéo et aimez, likez comme on dit. Voilà, bonne journée bénie ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo.